Yeah, une intro à l'ancienne avec un écran titre qui fait très rétro. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Sonic Robo Blast 2. Ça faisait longtemps, un petit vidéo test. Hop. Donc alors oui, vidéo test et non rétro test parce que c'est quand même un jeu assez récent malgré ses apparences qui font très rétro. Alors vous allez vous en apercevoir tout de suite. C'est un jeu gratuit qui est téléchargeable uniquement sur PC. Et de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description du jeu en question. Et pour moi, c'est un très bon Sonic 3D. Oui, un Sonic 3D. Alors que, bon, comme ça, on dirait plus un Sonic 2D sur l'écran titre. Et vous allez voir tout de suite en quoi cela consiste. Alors déjà, bon, moi j'ai... Là j'ai pris une sauvegarde avec la plupart des actes déverrouillés. En tout cas les actes principaux du jeu. Parce que plus tard on a des actes qu'on débloque, des actes bonus. Qu'on débloque par la suite. Ah, comment ça se fait qu'on ait que celui-là par contre? Ça c'est les actes pour récupérer les émeraudes du chaos. Alors, je sais pas pourquoi ils ne se sont pas tous débloqués, parce que pourtant je les ai tous faits. D'ailleurs, ça sert pas à grand chose d'avoir toutes les émeraudes du chaos, ça change juste un petit peu l'écran de fin, mais c'est tout. On n'a pas de boss final avec Super Sonic, hélas. Mais bon, globalement, c'est quand même un jeu. Vous allez voir, c'est un jeu complet, hein. C'est un Sonic complet qui a une bonne durée de vie. Malgré le fait que ce soit un jeu gratuit. C'est un jeu fait par la communauté. Les fans de Sega, généralement, ils font quand même de très bons jeux. On trouve de très bonnes perles, hein, petites perles, comme ce Sonic Robo Blast 2, notamment, mais aussi Sonic After the Sequel ou Before the Sequel, qu'on avait fait ensemble il y a de cela 2 ans, il me semble, un truc comme ça. Ça date déjà. Ouais, c'est ça, à peu près 2 ans. J'avais fait un mini let's play. Un mini let's play parce que le jeu était pas très long, du coup j'ai mis mini. Enfin, pas très long, c'est la durée de vie d'un Sonic normal. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, dans ce menu, eh bien, nous avons les différentes zones. Alors, la zone Green Flower qui comporte, alors, pas véritablement 3 actes, elle comporte que 2 actes avec un boss. Techno Hill qui comporte 2 actes avec un boss. Deep Sea, la même chose, vous avez compris. Il n'y a que la Red Volcano qui n'a qu'un acte. Mais je trouve que c'est pas une zone très réussie hein, pour ma part. Je n'ai pas été très fan. Hein, ce style assez préhistorique. Je trouve que je ne sais pas trop ce que ça fait dans un Sonic, mais bon. Bon, par contre, la Egg Rock Zone, très réussie. Ça, aucun souci. Ah voilà, vous allez voir d'ailleurs, rien qu'avec les captures, surtout dans la dernière zone, voilà, il y a des textures, il y a des trucs qui ressemblent à Doom. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu a été fait avec le moteur graphique de Doom, premier du nom. C'est assez étonnant. De toute façon, vous allez voir, je lance direct l'acte 1, hop. Comme vous pouvez le voir, c'est un Sonic 3D. Je viens de me fail sur le premier ennemi, c'est magnifique. C'est un Sonic 3D qui se manie très très bien. On peut hop, bouger la caméra. Hop. D'ailleurs, c'est un... D'ailleurs, dans cette version, parce qu'il y a eu beaucoup de versions de ce Sonic Robo Blast 2, il me semble qu'il y a eu 4 ou 5 versions en tout, différentes, sur plusieurs années. Ça fait des années qu'il... que la Sonic Team Junior bosse là-dessus. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, alors, avant, il était impossible avec le moteur de Doom, enfin, c'était quasiment infaisable de faire des pentes comme ça. Et donc, dans les premières versions de Sonic Robo Blast 2, à la place, on a des marches. Ou alors, où l'on doit juste sauter.
Et il n'y a pas cet effet de pente que l'on a dans les Sonic 2D. Alors que là, ils ont pu refaire cet effet de pente qu'on a dans les Sonic 2D. Enfin, cet effet de pente. Les pentes, tout simplement, hein, qu'est-ce que je raconte? Voilà, qui nous permettent de ga soit gagner de la vitesse, soit en perdre, si évidemment, quand on monte. Hop, c'est ce qui faisait la force des Sonic 2D, qu'on avait un peu perdu dans les Sonic 3D, mais là je trouve que ça a été assez bien retranscrit dans ce Sonic Roboblast 2. Hop, il y a divers bonus, là j'ai chopé le bouclier qui nous permet d'avoir d'exploser la plupart des ennemis à l'écran. Ah mais là j'ai loupé, mais il y avait une botte pour courir plus vite. Bon, il y a les bonus classiques, hein. On est en terrain connu. Hop! Voilà. Et j'ai tout simplement, en fait, pour utiliser les espèces de bonus, là, les sphères. Alors celui-là, c'était pour éclater les ennemis à l'écran. Et ben, il faut tout simplement sauter, donc avec R et L. Et j'ai débloqué un truc sans faire exprès. Alors bon, ça c'est quand on récupère toutes les émeraudes du chaos. Alors certes, on n'a pas de boss. Quand on a toutes les émeraudes du chaos, on a que ce bonus-là en plus. Voilà, c'est un bonus classique, hein. C'est que Sonic se transforme en Super Sonic et du moment qu'on a 50 anneaux sur nous, au moins, il peut se transformer en Super Sonic. Alors je l'ai activé en sautant et en appuyant sur L. Parce que c'est assez spécial, on appuie avec R pour sauter et L pour le spin dash. Ou alors pour utiliser divers bonus en sautant. Par exemple, si j'ai un bouclier qui me permet de faire un double saut, et ben je saute et je fais L après. Ça me fait un deuxième saut. Alors, de toute façon, vous l'avez vu avec le bouclier atomique là, l'espèce de bombe atomique qui permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Évidemment, je vous ai pas montré, mais on a aussi le homing attack. Le fameux. Sauf que cette fois-ci, vous allez voir. Hop! Et oui, ça ne target plus les ennemis. Le homing attack nous permet seulement de nous rattraper si on prend une mauvaise trajectoire au niveau de nos sauts. Par exemple, je peux me rattraper si je veux sauter sur la droite là dans cet enclos et que je me viande, je saute un peu à gauche, hop, je peux me rattraper en faisant un petit homing attack. Donc c'est quand même assez intuitif. Hop. La musique que vous entendez là, elle est vraiment pas mal. Je ne sais pas le nom du compositeur, je ne crois pas que ça soit T. Lopez. Il y a un côté T. Lopez un petit peu. Mais non, ce n'est pas T. Lopez, hein. Et les musiques, d'ailleurs, ont été réarrangées plusieurs fois dans chaque version. Parce que dans la version 1, évidemment, la musique n'était pas. Bon, c'était le même air musical, mais avec moins d'instruments. Ça faisait plus musique MIDI classique, quoi. Un son MIDI assez basique. Alors que là, on entend un peu de piano. Il y a quelquefois un peu de trompette, voilà. Un minimum de qualité. Alors attendez, par contre, pourquoi je n'ai pas débloqué le niveau bonus? Ah! Ah oui, bah je voulais vous montrer le niveau bonus, attendez. Bon, tant pis. Je vous montrerai plus tard. Le niveau bonus pour choper les émeraudes du chaos. Alors c'est peut-être parce que j'ai une sauvegarde avec toutes les émeraudes du chaos, donc on peut pas refaire les niveaux bonus. Ça doit être ça. Alors voilà, on se confronte au premier boss, voilà, Dr. Eggman. De toute façon, généralement c'est Dr. Eggman que l'on affronte. C'est plutôt classique. Au début, je voulais vous montrer l'intro du jeu, parce qu'il y a pas mal d'artworks qui sont assez jolis. Le problème, c'est que l'intro, elle dure 3000 ans, elle dure 6 minutes quasiment. C'est énorme. Et il n'y a que du dialogue.
Alors, il y a pas mal de petites artworks, mais quand même, le rythme est assez lent de l'intro. Enfin, ça fait très rétro. C'est un peu viandé. Et généralement, voilà, enfin, même tout le temps, quand on est contre un boss, on commence avec 10 anneaux sur nous. Sachant qu'il n'y a pas d'anneaux sur le terrain, donc si on perd tous nos anneaux, on est un peu dans la mouise. Je trouve que c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Comme ça, on peut pas trop tricher, hein. On est bien obligé de plutôt bien jouer contre le boss et... Faut pas trop le bourrer. Alors là, on est au deuxième niveau. La musique est plutôt pas mal aussi. Alors, les thèmes ne sont pas tous vraiment, vraiment bons. Mais globalement, c'est quand même de la bonne cam. Hop! Voilà, de la bonne qualité. Je trouve qu'il reflète bien la licence Sonic. On est complètement dans le ton. Hop. Gotta go fast! Ah oui, ça c'est... C'est la particularité de cette zone. Hop, avec les tuyaux aussi qui nous envoient dans les airs. Par leur rejet de gaz. Hop. Ah oui, je n'avais pas fini tout à l'heure. C'est qu'il y avait plusieurs versions de ce jeu. Donc là, il me semble qu'on est à la version 5, 4 ou 5. La dernière version qui est sortie assez récemment, en 2018, il me semble. Fin 2018, un truc du genre. Après, vous aurez les dates exactes sur le site officiel. Hop. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez vif. Par contre, l'inertie de Sonic est assez spéciale. Et bon, on s'y fait assez rapidement. Et bon, elle est quand même vachement bien retranscrite parce que bon, on a bien cette sensation de vitesse et que quand on a trop de vitesse, il faut vraiment freiner. Et on voit que Sonic met un peu de temps à freiner, ce qui est logique. Hein. Quand une voiture accélère, plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage est grande. Ce qui est complètement logique. Voilà, la physique est plutôt bien foutue à ce niveau-là. C'est très rare qu'il y ait des bugs, hein. D'ailleurs le jeu est très bien fini. Même dans ses premières versions, Sonic était déjà assez maniable. Le problème par contre c'est que voilà, dans les premières versions, on ne pouvait pas. Dans les anciennes versions, on ne pouvait pas jouer avec la manette. On était obligé de jouer clavier souris. C'était pas très pratique par contre à ce niveau-là. Et c'est que dans cette version-là, cette dernière version, que l'on peut jouer à la manette. Donc là notamment voilà, je joue avec la manette Xbox One. Et ça marche très bien avec une manette 360 aussi. Ça reconnaît direct la manette. Ah voilà, faut juste aller là. Ah c'est ça. Ouais, donc comme vous pouvez le voir aussi, voilà, la 3D, bah, c'est complètement le moteur de Doom. Hein, avec voilà, quand on regarde un peu plus au fond, c'est un peu plus sombre. C'était généralement le point faible du moteur. Et bon, c'était pas trop gênant non plus. Et voilà, le truc c'est que ce moteur là, c'est de la 3D mais avec des textures plates en 2D. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais. Puis généralement c'est très cubique. Donc évidemment, ils ont eu la bonne idée de faire Sonic en 2D, voilà, de faire un sprite en 2D. Qui comporte plusieurs angles. Comme ça on peut parfaitement bien transposer Sonic dans cet univers, dans ce moteur graphique.
D'ailleurs, voilà, pourquoi Sonic Roboblast 2? Ben, y en avait forcément un premier, Sonic Roboblast. Donc le premier Sonic Roboblast est très très vieux, hein. Il est sorti vraiment fin des années 90, début 2000, vraiment le tout début d'Internet. Bon, le problème, c'était vraiment un prototype et le jeu était vraiment... Bon, autant Sonic Roboblast 2 est excellent, Sonic Roboblast 1, c'est vraiment une démo. Puis on voit que ça a été fait... bon... Ça a été fait avec passion, mais... c'est pas un bon jeu, quand même. On sent que... Voilà, que le développeur en était vraiment à ses débuts. C'était plus un prototype, le truc. Hein. Et ça faisait plus... vieux jeu Flash en 2D, pas du tout esthétique. Ah, d'ailleurs, il me semble que dans mes souvenirs, le Sonic de Sonic Roboblast, premier du nom, il ressemble à Sonic. Il y a une ressemblance, il y a un air. Il est très mal dessiné, quoi. Voilà, autant moi je vous conseille complètement ce Sonic Roboblast 2 qui est vraiment excellent. Autant voilà, le premier, non. Je vous le déconseille. Ah, j'ai eu un bonus. Ah voilà, ça fait de l'électricité. Bon, ce n'est pas sensationnel. C'est mieux que rien. Et au moins on a le droit à un hit de plus. Donc là c'est une énigme, faut hop sauter là-dedans, faire ça, hop, et comme ça on pousse l'interrupteur qui est dans la gelée, et hop, comme ça on peut faire monter la gelée. Ah, c'est... Des fois il y a des énigmes un peu fourbes comme ça. La première fois on est un peu bloqué, hop, voilà. Les niveaux sont assez longs. Hein. Et, ah purée. Généralement, ils durent. Ils durent facile 3, 4, voire 5 minutes. Hop. Et que. Il n'y a que la première zone qui comporte deux actes assez courts. Mais sinon, voilà, les niveaux sont assez longs. Mais je trouve qu'ils ne perdent pas en rythme, hein. C'est toujours quand même assez rythmé. Il est un peu pénible celui-là. Hop! Il en donnerait presque le tourné. Mon Dieu. Ah, purée. Ah, en plus, il n'est pas bien dur. J'ai pas fail non plus. Ah, vous voyez, par contre, l'Omega Attack, des fois, si on vise mal, et il est plus contraignant qu'autre chose. Faut pas tout le temps l'utiliser. Faut bien déplacer la caméra au bon endroit pour que l'Omega Attack se fasse vraiment en face. Il faut savoir que le Homing Attack, en fait, il se base par rapport à la caméra. Et ça, c'est... Ça peut être problématique. Par exemple, si je déplace Sonic sur la droite, hop, eh ben, le Homing Attack se fait quand même en face. Voilà, je le déplace à droite et hop, il se fait quand même en face. Il se fait vraiment là où est placée la caméra. C'est assez spécial. Et c'est une habitude à prendre, parce que bon, les Sonic 3D, normalement, c'est pas comme ça que c'est fait. Normalement, le Homing Attack... se fait en fonction du placement de Sonic et non de la caméra. Bon, c'est une habitude à prendre. Donc là voilà, niveau aquatique. Bon, ce thème je l'aime un peu moins, même s'il est quand même plutôt réussi. Alors je vais choper quand même
ceci. Allez, comme vous pouvez le voir, voilà, là on allait avoir les 5, 4, 3, 2, 1. Et ce qui est bien, c'est que la musique quand même reprend directement, ça a été plutôt bien fichu à ce niveau-là. Parce que la musique aurait pu reboucler et se remettre au début. Mais que nenni! Ça a été plutôt bien codifié à ce niveau-là. Alors je ne sais plus si c'était comme ça aussi pour les premières versions. Je ne sais plus si elles sont toujours disponibles, les anciennes versions de Sonic Robo Blast 2, hein, pour ceux qui sont assez curieux, qui veulent voir comment a été fait le jeu au début. Le level design a pas mal changé, hein, parce que je vous avais dit que voilà, il n'y avait pas ce système de pente dans les premières versions. Bon, déjà, ça change pas mal le level design, forcément. Et puis il me semble que le look de Sonic a été changé. Ah là, il est plus détaillé que dans les premières versions. Même s'il a toujours été plutôt bien modélisé. Enfin, faut pas vraiment dire modélisé vu que c'est pas de la 3D. Mais... le sprite a été toujours assez fidèle. Contrairement à Sonic Robo Blast 1. Hop. Ah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah, il a... avec le homing attack, voilà, faut céder du homing attack pour pouvoir monter. Hop. Ah, puis ce qui est pas mal, c'est que vu que... ah, je me suis fail. Vu que c'est un très vieux moteur, c'est le moteur de Doom, bah forcément, la plupart des PC, enfin même tous les PC, peuvent le faire tourner tranquille, hein, ce Sonic Robo Blast 2. Que même quelqu'un qui a juste le PC de sa grand-mère en sa possession, eh ben, le PC de sa grand-mère pourra faire tourner Sonic Robo Blast 2. Voilà. Voilà, le jeu, il est vraiment pour tout. Pour tout le monde. Même ceux qui ont un PC Fujitsu. Voilà. Quoique Fujitsu, j'ai un doute. Bon, à essayer. J'en ai pas. Mettez en commentaire si... le PC Fujitsu peut faire tourner Sonic Robo Blast 2. Un Fujitsu équipé d'un Intel Celeron, attention, c'est le Turfu. Cadencé à 1 GHz. La vitesse de mon téléphone portable. Ça met un peu de temps les bulles. Ouais, mais on a pas mal de thèmes différents, parce qu'on a un thème pour chaque acte, vraiment. Bon, généralement, l'acte 2, en fait, reprend le thème de l'acte 1, mais en... mais c'est une sorte de remix. Donc là, on reconnaît les notes de l'acte 1, mais en plus doux, en plus calme, avec d'autres instruments. Ça a été plutôt bien foutu à ce niveau-là. Hop. Ouais, puis on dirait vraiment que c'est un jeu officiel. Ce jeu-là aurait pu sortir sur Saturn. Je pense que c'est... bah, ça aurait dû être le Sonic 3D de la Saturn, en réalité. Ça aurait dû être comme ça. Puis en plus, comme tous les Sonic, hein, comme tous les bons Sonic qui se respectent... il y a eu des mauvais Sonic. Ce Sonic Robo Blast 2 a une très bonne replay value. Voilà, je pense que on va se quitter après cette zone.
Parce que là, on est déjà bien parti pour arriver jusqu'au boss. Ah voilà, il y a quelques idées de level design à chaque fois comme ça. Ah, ou au pire, je vais quitter level select. On va sélectionner un autre niveau parce que celui-là est plutôt classique. Plutôt vous montrer un niveau un peu plus original. Voilà, le Castle Eggman, voilà, c'est la zone d'après. J'ai plutôt bien aimé. Hop, voilà, là ça fait complètement... Alors, on est en Europe de l'Est, il y a un château, c'est très médiéval, voilà, il y a des drapeaux à l'effigie d'Eggman. Quand même plutôt une bonne idée, et je crois que, ouais, non, il n'y a aucune zone qui ressemble à ça dans un Sonic. Hein. Et franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve que la direction artistique est très fidèle... à la licence Sonic. Je suis fail. Vous allez voir que le level design de ce niveau est assez original. Il y a pas mal de pièges en fait. Voilà, avec des chevaliers, etc. qui nous attaquent. Forcément, on est dans le thème. Le thème médiéval. Oula. Voilà. Vous voyez qu'on peut vite tomber. Hein. Faut pas aller trop vite des fois. Hop, sauter au bon moment. Et puis la musique est vraiment bien. C'est l'un de mes thèmes préférés qu'on entend en fond. Hop. Tan, 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 tan. Ah, j'ai récupéré... Ah oui, ça permet de hop stopper direct les sauts. Donc ça permet de stopper l'élan du saut. Ça peut être très bien quand on est sur des plateformes assez étroites, assez petites. Si on a peur de tomber en glissant, eh bien, hop, on peut stopper comme ça notre saut, notre élan. Donc c'est vraiment pas mal comme truc, ça. C'est une bonne idée. Ah, j'ai loupé la vie, bon c'est pas grave. Hop. Et il y a plusieurs passages, hein. Mince. Bon, on voit rien du tout là. Ce passage-là, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Ah oui, je m'étais un minimum entraîné avant la vidéo, hein, pour pas que ça soit... trop catastrophique au niveau du skill, parce que ce n'est pas un jeu évident. Faire gaffe à ceux-là, parce qu'ils peuvent nous pousser dans le vide assez facilement. Hop. Ouais, par contre, ce qui est dommage, voilà, c'est... je n'ai pas dit ça. Vu qu'on est... je viens de me fail. Ah, purée. Vu que c'est le moteur de Doom, eh bien on peut pas bouger la caméra verticalement. On est jamais tranquille là. Ah oui, c'est qu'il y a des ennemis qui nous balancent des lances. Ils sont sur les tours. Le problème voilà, c'est qu'on peut pas bouger la caméra vers le de haut en bas. Enfin, on peut pas la bouger dans son axe Y. Vous préférez, mais que à l'horizontale, donc à droite à gauche. Donc c'est dommage. Alors, peut-être qu'on aura une autre version où l'on pourra bouger la caméra librement. Alors, ce qui m'étonnerait parce que j'ai entendu dire que le moteur de Doom est assez capricieux et comment il a été codé, et ben, c'est impossible. Eh ben, c'est impossible de le recoder pour pouvoir bouger de haut en bas. Mais non, bon, après évidemment c'est expliqué avec des termes techniques assez complexes. Je m'étais un petit peu renseigné.
Voilà, c'est. Je sais pas si c'est une référence, mais bon, ça fait vraiment penser à Dark Souls. Avec l'épée et le feu de camp. C'est complètement Dark Souls. On est à. Dans Dark Souls 1, il me semble que c'est Lichfou. Voilà, le hub central. C'est complètement comme ça, avec au loin les remparts du château. C'est quand même vachement ressemblant, avec la forêt en plus. C'est quand même vachement ressemblant. Je ne sais pas si c'est une référence. Parce que je me souviens que dans la première, enfin, dans les anciennes versions de ce Sonic Robo Blast 2, il n'y avait pas cet endroit-là. Ni cette phase-là, là, où l'on doit courir. Parce que derrière nous, le pont s'effondre. Ah, du coup, je vous ai montré l'arrière et. Ah, voilà. Bon, je voulais au moins vous montrer comment s'effondrait le pont. Bon, on va finir le niveau. Là, c'est vraiment la fin, hein, ce passage-là. Vous voyez, c'est quand même assez bien fait. Hein. Il y a quelques fois des niveaux avec quelques scripts. Après, c'est des petits scripts comme ça, mais ça fait plaisir. Attention. Nickel. Ah. Et c'est là que le jeu commence vraiment à être bien plus difficile hein, depuis cet acte-là, parce que les trois zones précédentes étaient beaucoup plus simples que celle-ci. Hein, c'est à partir de cette zone de 4, la castle zone, qui est bien plus hard. Alors après, non, ça reste quand même une difficulté, on va dire l'équivalence d'un Sonic the Hedgehog 2, hein. C'est pas non plus un jeu trop difficile. Attends, ils nous visent ceux-là ou... Ah non. Ils continuent leur petite vie. On peut les avoir de derrière comme ça. Ah, il veut me tuer. Ah d'accord. Je crois qu'il ne faut pas vraiment leur sauter dessus, mais plus sur le côté. Pour pas se prendre le pic. Ça a été plutôt bien géré. La hitbox est plutôt bien foutue à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, en plus, c'est classe. Voilà, on se termine sur. Dans le hall du château. Avec une magnifique statue à l'effigie d'Eggman. Voilà. Que proposer de plus pour une fin mémorable? Voilà, globalement, du coup, c'est un jeu très fidèle à la licence Sonic. Et moi qui suis très fan des Sonic, hein, je pense que vous vous en êtes aperçu depuis que vous me suivez sur YouTube. Du coup, moi, je vous conseille vivement ce Sonic Robo Blast 2. En plus, il est gratuit. Et puis peut-être qu'un jour, on aura une nouvelle version, je ne sais pas. Même si ça m'étonnerait, parce que bon, là, le jeu tel quel, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, à part peut-être des niveaux. Peut-être que la communauté va rajouter de nouveaux niveaux, ce qui est fort probable. Mais les niveaux principaux du jeu peuvent rester tels quels, parce qu'ils sont vraiment parfaits. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment un très très bon, l'un des meilleurs. Sonic Fan Game. Surtout que c'est un jeu complet qui est aussi long qu'un vrai Sonic. En durée de vie, il doit durer à peu près. Je sais pas si on fait en ligne droite et si on réussit, si on se débrouille plutôt bien. Bon, moi, là, je l'ai refait parce que ça fait des années, je l'avais déjà fait, des années auparavant, sous ses anciennes versions. Et avec cette nouvelle version, je l'avais fait vers 2019, un truc par là. Et là, en le reprenant récemment, je me suis rendu compte, ouais, je crois que je l'ai fini en à peine 1h30, un truc comme ça. En faisant tous les niveaux, 2h, peut-être 2h. Non, à peine 1h30, hein.
Donc le jeu n'est pas si long que ça, c'est la durée de vie d'un Sonic normal si on se débrouille plutôt bien. Mais évidemment, la toute première fois, on galère un petit peu, on a quelques game over et... bon, même s'il y a des sauvegardes, ne vous en faites pas. Si vous avez un game over, vous recommencez que au début de l'acte, il me semble. On recommence même pas toute la zone, on recommence que l'acte. Bon, c'est pas trop gênant. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, on peut récupérer des vies quand même assez aisément. Même si, bon, c'est pas comme un Crash Bandicoot, il nous donne pas non plus trop de vie. Donc au niveau de la gestion de la difficulté et de la durée de vie, c'est plutôt... bah, c'est du bon. Après, pour ce qui est des graphismes, voilà, vous pouvez le voir. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En tout cas, moi, j'aime bien ce style, hein, reprendre du coup le moteur graphique de Doom, ça rend plutôt bien pour faire un petit Sonic 3D comme ça. Enfin, c'est un Sonic qui fait très Sonic Saturn. Ça fait très Saturn, hein, ce côté 3D avec juste des polygones, avec juste une couche de texture par-dessus. Par exemple, là, vous allez voir, là, si je me rapproche, voilà, c'est juste un cylindre avec une texture par-dessus. Enfin, ça, c'est assez spécial à expliquer. Et puis, surtout que la texture, elle est faite par des pixels. Enfin, c'est pas une image... enfin, c'est vraiment des pixels. Ou alors, c'est une texture... ça fait texture 16 bits, en fait, un peu, c'est ça. Et c'est ce qu'on avait généralement sur la Saturn, c'est vrai. Ouais, on avait un peu ce style graphique. Et là, en Full HD, ça rend plutôt bien. Ça a quand même, ça a quand même son charme. Après, que dire, bah, la jouabilité, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très maniable. Il y a très peu de boutons, hein. On peut pas appuyer sur les boutons A, X, Y ou B, ils ne servent à rien. Il n'y a que le bouton R pour sauter, L, enfin je vous avais dit pour faire le spin dash ou d'autres actions, avec les bonus. Mais c'est tout. Puis la caméra, bon, classique. Hein. Mais bon, je préfère le souligner parce que dans les premières versions, on pouvait pas la bouger très librement, c'était avec la souris, c'était un peu galère. Ah tiens, d'ailleurs, hop, là je le fais avec la souris. Et puis même avec la souris, de haut en bas, ça ne fait rien du tout. On peut pas bouger la caméra de haut en bas. Et donc voilà, globalement, voilà, un très bon Sonic, un très bon fan game. Un indispensable pour les fans de Sonic. Un incontournable. Qui devrait être plus connu, même s'il est assez connu quand même dans le milieu fan game Sonic. Mais bon, les fan games, globalement, il n'y a pas énormément de gamers qui connaissent ce terme, hein, précisément. Bon, la plupart, ils entendent plutôt parler des jeux indépendants. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Voilà, je vous souhaite un bon gameplay. J'espère que vous n'allez pas trop fail comme Oliver Plasma. C'est important. Sur ce, je vous dis à la revoyure. Attendez une minute, ce n'est pas encore fini. Donc, attendez, je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité. Alors, on peut faire le jeu sans sauvegarde à l'ancienne. Mais surtout très important, on peut choisir un personnage. Voilà, bon, moi j'ai fait le jeu avec Sonic, classique. Mais dans cette nouvelle version, on a la possibilité de jouer avec Sonic et Tails. Du coup, c'est-à-dire à l'ancienne, dans Sonic the Hedgehog 2, on était accompagné de Tails. Donc là, c'est pareil. On a une IA qui nous accompagne, qui dirige Tails. Alors, on peut jouer Tails. On voit que... la description du personnage, avec les habilités... ça nous explique comment diriger le personnage. Bon, je vais vous montrer vite fait. Hop. Alors, c'est à peu près la même chose, Tails. Bon, il est tout mignon, déjà. Il est tout rond, son sprite. C'est dommage que quand on tourne la caméra, en fait, il se tourne en même temps. Et voilà, Tails, tout simplement, bah voilà, il... avec ses deux queues, il peut voler. Bon,
C'est un peu cheaté. Voilà, je vous l'accorde. Voilà, on peut voir après les travers des décors comme ça. On est un peu bêta-testeur. Ouais, en plus, ils veulent vachement longtemps. Hein. Bon, c'est un peu le mode noob. Hein. Si vous avez du mal au jeu, ce que je peux comprendre, hein, parce que je pense que quand on est plutôt habitué aux jeux de plateforme, le jeu se fait sans trop de soucis, mais voilà, si on n'est pas habitué aux jeux de plateforme, avec un gameplay assez exigeant, eh bien on peut galérer un petit peu, donc c'est plutôt pas mal d'avoir le choix de sélectionner un personnage comme Tails qui voilà, la possibilité de voler comme ça. C'est quand même vachement plus simple. Voilà, c'est le mode facile en gros. Alors je vais retourner à l'écran titre. Après, on a évidemment d'autres personnages, je vais vous montrer les autres personnages vite fait. Donc, on a voilà Knuckles, bon le classique, hein, il peut planer. Attendez, voilà comme ça. Hop. Et je pense voilà, ça détruit les ennemis. Comme dans les jeux d'origine avec Knuckles, c'est à partir de Sonic. La première fois qu'on pouvait jouer avec Knuckles, c'était dans Sonic and Knuckles, il me semble. Sur Mega Drive. Le Sonic 3. Tac. Et avec une certaine cartouche, on pouvait jouer à Sonic 2 avec Knuckles. Voilà. Mais bon, ça c'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Sonic. Voilà, on peut jouer Amy Rose aussi. Qui elle, elle utilise son marteau comme ce qui est montré dans les habiletés. Voilà, son hammer. Hop. Voilà, avec elle, on appuie sur elle et ça nous permet de donner des coups de marteau comme ça. Par contre, elle n'a pas accès au homing attack, alors à la place elle fait ça. Bon, un coup de marteau dans les airs. Et avec elle c'est pareil, ça fait aussi un coup de marteau dans les airs, donc c'est le même mouvement. Donc attention, il faut bien... Avec Amy c'est pas facile, il faut assez bien timer le moment où l'on tombe sur l'ennemi, voilà. Hop, c'est évidemment sinon on se fait toucher. Et son sprite est tout mignon. C'est tout rond. Donc voilà pour Amy. Voilà, le jeu est quand même vachement complet. On a Fang, qui est un personnage qui est... Bah, la première fois qui... Enfin, il est apparu... Il est apparu la première fois dans Sonic... Comment il s'appelle? Sonic Fight, un truc comme ça, Sonic Fighter. Qui est un jeu d'arcade où l'on... où l'on dirige Sonic et ses comparses dans un jeu de baston, parce qu'évidemment les jeux de baston à l'époque ça marchait plutôt bien, les jeux de baston un peu à la Virtual Fighter en 3D, enfin en 2,5D vu qu'on jouait en 2D mais dans un plan 3D. Hop. Et donc avec lui, on peut voilà, tirer sur les ennemis directement, comme ça il a un espèce de petit flingue. Et puis aussi, il peut rebondir comme ça sur sa queue, en restant appuyé sur R, donc la touche saut. Donc, ça permet de faire des assez grands sauts avec une bonne amplitude. Par contre, évidemment, voilà, on peut pas... Enfin, il me semble pas que ça tue les ennemis, ça. Ah si. Bon, par contre, je crois qu'il faut bien sauter sur les ennemis, sinon on se fait toucher. Non, parce qu'il ne se met pas en boule comme Amy. Voilà, et ce personnage-là aussi, c'est un boss dans Sonic Robo Blast 2. Hein. C'est un boss que l'on combat, qui est assez pénible. Hein. Quand on combat dans l'acte 5, il me semble, enfin la zone 5. Et je vous montre, voilà, en dernier, Metal Sonic. Voilà, qui est l'avant-dernier boss du jeu. Qui a été très réussi, d'ailleurs. Enfin, je trouve que les boss, globalement, ils sont quand même...
assez sympa à combattre, et puis en plus, ce sont des vrais boss, hein. Ce sont des vrais boss avec des patterns à apprendre. Attendez, et puis avec Metal Sonic, voilà, en restant appuyé sur R, on plane dans les airs. Alors on plane un peu de la même manière que Knuckles, mais en bien plus efficace, hein, on vole carrément, hein, quasiment. Alors, petit à petit, on descend un petit peu. On perd un petit peu d'altitude, mais bon, quand même, c'est vachement plus efficace que Knuckles. C'est vrai que je me demande, mais à quoi sert Knuckles finalement? Parce que bon, il ne plane pas aussi bien que Metal Sonic. Alors après, c'est histoire de jouer avec Knuckles. Puis c'est le personnage. C'est mon perso préféré après Sonic, évidemment. Il a le style, Knuckles. Donc voilà. Ah, évidemment, je crois que ça ne touche pas les ennemis quand on fait ça. Ah oui. On peut pas les tuer en planant. Voilà. Contrairement à Knuckles. Bon, faut au moins quand même qu'il y ait un malus par rapport à Knuckles. Ah, voilà. Plutôt sympathique. Ah, c'est la version 2.2.1, voilà. Vous saurez quoi télécharger. Hein. Il y a un mode multijoueur que je n'ai jamais testé. Un mode extra. Et surtout, je crois qu'il. Voilà, c'est je crois que c'est Night Mode. Ah bah oui c'est ça. On peut sélectionner le niveau des émeraudes du chaos. Ah bah je vais pouvoir vous en montrer un. Il y a peut-être des nouveaux. Ah oui, Dream Hill. Ah, ils ont fait des niveaux en plus. Alors, je vous en montre un pas trop facile non plus. Bon allez là. On va reprendre celle-là. Caverne Forteresse. Le start. Hop, et là, l'idée du truc, en fait, c'est. Voilà, ça reprend complètement, en fait, les niveaux bonus de ce Sonic Roboblast 2. Reprennent le jeu Knight. C'est-à-dire, c'est une sorte de jeu. Comment on peut dire ça? Je sais même pas à quel style de jeu c'est tellement spécial. Mais oui, en vrai, c'est un jeu à part entière, hein, ce truc-là. Le fait de déplacer le personnage dans les airs comme ça et récupérer des espèces de sphères bleues. C'est un jeu de Sega sur la Saturne. Donc Night, je ne sais plus quoi. Bon, ce n'était pas sensationnel, mais bon, c'est plutôt marrant qu'ils aient mis ça. C'est un bon clin d'œil, je trouve. C'est quand même assez jouable, c'est pas trop le bordel. Je trouve que les niveaux bonus sont plutôt réussis pour avoir les émeraudes du chaos. Hop là, faut faire le tour pour choper toutes les sphères. Il faut en avoir assez pour pouvoir détruire la capsule d'Eggman. Qui enfermait une émeraude du chaos. Enfin, dans laquelle était enfermée une émeraude du chaos. Par contre, faut aller où là? Évidemment, on est timé, hein. Si on met trop de temps, on perd. Et attendez, par contre, faut aller où là? Un peu le bordel. Ah, il y avait un trou au-dessus, ok, j'avais pas vu. Je commence à être un peu fatigué. Je tourne la vidéo assez tardivement. Là. Hop, hop. Voilà, on va finir ça et. Voilà, nickel goal. Ah oui, on a carrément une note à la fin. Bon, c'était pas sensationnel. Ah, et puis on gagne énormément de points en faisant ça. Et on gagne généralement à la fin une vie et un continu. Voilà, là, un continu.
Même si ça ne sert pas à grand chose maintenant, vu que j'ai fini le jeu. Enfin voilà, en conclusion, Sonic Roboblast 2 est un très bon Sonic qui vaut le coup d'œil. Et si vous êtes fan des Sonic 2D et même aussi des Sonic 3D, eh bien ce Sonic Roboblast 2 ne peut que vous combler. Surtout qu'il est gratuit. Je le redis encore une fois, il est gratuit. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.